présente. Donc, moi, c'est Aliénor. Et moi, c'est Flavie. Donc, on est deux sœurs. Flavie, elle est née et moi, je suis la seconde d'une famille de 5 enfants. Voilà. Et quand on était petite, oui, on en a une pépite, Cyril. Quand on était petite, on était hyper différentes. Moi, j'étais plutôt tout feu, tout flamme et tout, un peu exubérante et je faisais pas mal de bêtises aussi. Et moi, à contrario, j'étais plutôt plus introvertie, un peu toute sage, ma petite vie pépouse, tranquille, voilà. Et voilà. Et c'est vrai que on n'était pas trop en phase, enfin, on se rejoignait pas trop. Et c'est vrai que moi, quand on me parlait de la grande sagesse de ma sœur, ça me saoulait plus qu'autre chose. Et c'est vrai que moi, je l'étouffais pas mal quand même avec mon exubérance. Du coup, là, on aurait pu rester deux chemins l'une à l'autre, parallèles, notre petite vie chacune de notre côté, sans vraiment se rejoindre. Et en grandissant, quand on a grandi, on a quand même réussi à avoir une très belle fraternité de sang. On se partageait notre vie étudiante. Mais voilà, ça en restait à la fraternité de sang. Voilà, enfin, on se partageait des trucs, mais ça restait la grande sœur et la petite sœur, voilà. Ça restait là. Et donc, on aurait pu en rester là. Et un peu tout a changé. On est parti en Terre Sainte au début de l'année. Donc, petite page de pub. La Terre Sainte, c'est de la balle. Et en fait, là, on a vécu quelque chose d'incroyable. On est parti donc toutes les deux avec un groupe de jeunes. Et on a pu voir vraiment concrètement les transformations que le Seigneur a opérées dans chacun de nos cœurs, donc le cœur de ma sœur et mon cœur, de manière bouleversante. Et du coup, à ce moment-là, on était sœurs, mais on est aussi devenues sœurs vraiment dans la foi. Et c'est ça qui était canon, parce que ça nous a complètement transformés dans notre relation. On se tirait l'une vers l'autre, vers Dieu. Et nos différences étaient en fait une grâce. Et voilà, donc on se tirait à prier ensemble, enfin voilà, vers Dieu. Et en plus, c'est canon, ça rayonnait dans notre famille. Voilà, on tirait toute notre famille vers Dieu ensemble. C'est trop beau. Petite dédicace d'ailleurs. Il y a notre frère dans la salle. Ouais, Charlie. Et c'est vrai que... C'est vrai qu'il n'y a plus de grandes sœurs et de petites sœurs. À ce moment-là, on est vraiment devenues sœurs dans la foi. Et moi, je devenais aussi la petite sœur d'Aliénor dans la foi. On était vraiment sœurs unies dans le Christ. Merci Seigneur, merci pour cette grâce de la paternité de sang, mais aussi dans la foi. Amen.